Alors surtout restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous, un petit jeu concours qui vous permettra de gagner une coiffure gratuite, donc surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo. Hello YouTube, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'application Napimi et comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle coiffure. Et je crois que c'est peut-être la première fois que sur ma chaîne vous me voyez avec des cornrows. Et j'ai jamais fait ça, donc j'espère que cette coiffure vous plaît. Moi je suis extrêmement satisfaite et puis je vais vous parler un petit peu de mon expérience Napimi. Alors Napimi tout d'abord c'est une application qui se trouve donc sur Android et sur iOS, donc sur iPhone. Et donc ça vous permet de commander entre guillemets une coiffeuse à domicile. Donc en fait voilà, vous choisissez votre coiffeuse et puis vous pouvez ensuite avoir la coiffeuse qui vient à votre domicile. Vous pouvez aussi venir à son domicile mais la plupart du temps c'est l'inverse, c'est elle qui vient. Donc comment ça se passe? Donc vous allez sur l'application, vous la téléchargez bien sûr, logique. Vous créez un compte, vous pouvez je crois l'attacher avec votre page Facebook il me semble. Et ensuite vous choisissez la coiffure. Donc moi je suis allée dans le côté nat parce que je voulais absolument des nattes. Parce que je trouve ça super beau et en fait la photo qui m'a inspirée c'est cette photo là qui m'a inspirée pour la coiffure. Donc après quand vous avez fait ça, normalement vous tombez sur une deuxième page et là donc c'est la page où on trouve les coiffeuses et vous pouvez mettre du coup votre géolocalisation. Donc en général c'est en région parisienne, donc Paris et sa banlieue. Pour l'instant c'est pas encore déployé en province, ce qui est dommage parce que maintenant je suis lyonnaise, mais ça va arriver bientôt il me semble, je crois que c'est vers la fin de l'année, ça va arriver à Lyon pour l'instant, donc ce sera la deuxième ville où Napimi sera présent. Et donc vous choisissez votre la géolocalisation, ensuite la date de rendez-vous, la date où vous voulez faire la coiffure, et puis après vous allez avoir des coiffeuses. Et donc vous pouvez regarder les commentaires, les notes et les coiffures qu'elles ont réalisées auparavant. Alors j'ai regardé un petit peu sur l'application, les coiffures réalisées, c'était super super beau, super professionnel. Donc du coup à ce niveau là je ne me suis pas du tout inquiétée. Je me suis dit les coiffures, je ne veux pas avoir de soucis. Donc après vous pouvez prendre contact avec la coiffeuse, vous poser des questions sur la coiffure. Mais en général c'est vous qui achetez les mèches. Donc n'hésitez pas à acheter plus que prévu parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. S'il n'y a pas assez de mèches, c'est un peu tendu. Et puis après, voilà. Donc vous avez aussi le prix qui est inclus. Donc vous savez tout ce que vous payez directement à l'avance. Et donc après, bon, vous avez votre rendez-vous et c'est le jour de la coiffure.
été coiffée par Kate. Donc sur son profil, c'est Kate D. Et je sais plus trop le nom de son nom de famille, mais je mettrai le nom ici. Et donc Kate est super super sympa. J'ai vu ses photos, c'est super pro. Je crois que c'est l'une des top coiffeuses de l'application Napimi. Alors, petit souci de mon côté, c'est que moi, j'ai eu très très peu de temps. Vraiment très peu de temps. En gros, donc j'étais sur Paris et j'ai fait très rapidement. J'avais pas du tout le temps. Du coup, j'ai lavé mes cheveux la veille. J'ai fait mon masque la veille. Non, même pas la veille, le jour même, le matin. Donc je suis arrivée en rush, j'avais pas eu le temps du tout de bien me laver les cheveux. Donc j'avais encore du masque. C'était vraiment un petit peu n'importe quoi. J'étais vraiment en rush. Et puis j'ai démêlé mes cheveux, ça j'ai eu le temps de le faire, mais mes cheveux étaient mouillés quand j'étais au rendez-vous, et puis j'avais pas du tout les cheveux étirés. Et elle voulait absolument étirer mes cheveux déjà à la base, quand on s'est parlé au téléphone, elle me disait oui, on m'a étiré tes cheveux avec un sèche-cheveux, etc. Et moi je voulais absolument pas, et ça c'était clair et net, je ne veux pas étirer mes cheveux, je ne veux pas utiliser de chaleur sur mes cheveux pour le moment, parce que j'ai lissé mes cheveux il y a pas très longtemps et c'était un carnage, donc j'ai pas envie de le faire. Voilà, c'était un non pour moi. Et c'est vrai qu'elle a un petit peu assisté pour que j'étire mes cheveux, et ça m'a un peu refroidi sur le moment, mais je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'elle avait l'air très très elle était vraiment à cheval sur les détails. Donc c'est vrai que quand on a les cheveux qui sont étirés, le résultat est beaucoup plus joli, parce qu'il n'y aura pas des cheveux qui vont biquer, etc. Mais moi je m'en foutais en fait. S'il a les cheveux qui biquent, c'est pas grave. Moi je voulais absolument pas qu'on étire mes cheveux. Et donc moi je me suis dit, ouais bon c'est pas grave, je vais étirer mes cheveux moi-même au fil le soir, comme ça. Et j'ai pas eu le temps de le faire. Du coup la pauvre, je suis arrivée avec mes cheveux pas du tout étirés, ce qui lui a fait du travail en plus. Donc je suis vraiment désolée pour ça, parce que j'aurais pu vraiment lui faciliter la tâche et faire la méthode du fil, vous savez, le fil africain. Et c'est sans chaleur et c'est rapide et c'est super pratique. Et c'est un truc que beaucoup de familles africaines font, donc je l'ai pas fait parce que j'ai complètement zappé. Sinon je l'aurais fait, donc je suis vraiment désolée. Alors la coiffure, chez cette coiffeuse, ça coûte 55 €. Ce qui est pour moi pas extrêmement cher, je trouve. Les gens trouvent que c'est cher, mais moi je trouve pas que c'est cher. Parce que je pense que les coiffeuses afro sont en général dévalorisées. Et on a tendance à baisser les prix, à les payer au rabais. Et c'est vraiment un travail qui prend du temps de faire des coiffures de ce genre. On a commencé à 14h30, on a fini vers 20h30. Donc c'est vraiment... ça prend du temps, mais c'est vrai que 55 € pour moi, je trouve que c'est pas énorme. Bon, après j'ai pas non plus un salaire de ministre, donc je sais que si je dois payer 55 €, c'est quand même un budget, c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps. Alors maintenant on va parler du concours. Alors si vous voulez gagner une coiffure gratuite grâce à Napimi, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de taper dans les commentaires hashtag Napimi et je sélectionnerai le commentaire gagnant. Alors, il vous faut aussi être abonné à ma chaîne, ce qui est à peu près logique pour moi. Et aussi, il faut me suivre sur Instagram, puisque j'annoncerai le nom de la ou du gagnant sur Instagram. Voilà. Et vous avez jusqu'au 1er juillet pour participer. Vous pouvez participer autant de fois que vous voulez dans les commentaires. Alors surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo à toutes les personnes qui aimeraient bien tester l'application Napimi et aussi gagner une coiffure gratuite grâce à Napimi. Donc, partagez la vidéo, partagez-la, n'hésitez surtout pas. Et dernière chose, vous pouvez participer autant de fois que vous voulez. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Peace, bye!